دين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Le Coran est vraiment un livre incroyable On a beau à le lire et le relire On n'a pas fini d'être émerveillé C'est un trésor sans fin et sans fond Rempli de méditation, de ressourcement, de purification C'est ce qui s'est passé pour moi il y a de cela quelques jours J'étais à la mosquée derrière l'imam Et c'était la prière de la Aïcha L'imam lisait donc à voix haute Et tout à coup il a lu ce passage Qui m'a beaucoup touché C'est comme si c'était la première fois que je l'entendais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Malheur à إلاس Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Quelle a été la cause de son égarement Son ami Son ami intime Son proche, subhanallah Qu'Allah nous en préserve et Tabari rapporte plusieurs versions dans son tafsir au sujet de l'explication de ce verset. Il dit dans une d'elles que ce verset fut révélé lorsque Oqba, Abu Mu'it qui était l'ami privilégié de Umayya ibn Khalaf embrassa l'islam. Là, Umayya lui dit « Je ne te parlerai plus jamais de ma vie sauf... Si tu désavoues la religion de Mohammed alors ouqba apostasia et rogna l'islam pour gagner l'agrément de son ami Omeya. ce récit est effrayant il nous montre le péril que représentent les mauvais compagnons sache que toute amitié qui n'est pas motivée par l'amour d'Allah se transformera le jour de la résurrection en animosité. Allah, le Très-Haut, dit à la Sourate l'ornement au verset 67 Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux.

Que l'un de vous fasse donc bien attention à celui qu'il prend pour ami. Voici un exemple de la mauvaise compagnie qui a été la cause pour que Abu Talib aille en enfer. Saïd ibn al-Musayyib rapporta de son père qu'Allah soit satisfait de lui ce qui suit. Au moment où Abu Talib était à l'agonie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint le voir et trouva chez lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Murira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Abu Talib en disant « ô oh, mon oncle, est-ce que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah Et ce sera un mot par lequel je serai témoin ta faveur auprès d'Allah ». Aussitôt, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya s'écrièrent « Ô oh Abu Talib, vas-tu renier la foi d'Abdul Muttalib ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne cessa de lui proposer de prononcer la profession de foi en répétant les mêmes mots, tandis que les deux autres lui répétaient les mêmes propos. Enfin, les dernières paroles d'Abu Talib furent qu'il persistait sur la religion d'Abdoul Moutalib et refusa d'attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Aouzoubillah. Écoute la magnifique parabole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par al bukhari muslim. D'après Abou el al ashari le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit L'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Pour le vendeur de parfums, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Maintenant, c'est à toi de choisir entre le parfumeur ou le forgeron. Et s'il se trouve que c'est toi qui es le forgeron, alors change ta personne et deviens meilleur et deviens parfumeur. Wa aakhiru darwana, anil hamdulillah ya Rabbi alamin, wa salat wa salam wa ala nabiyyina Muhammad.